Est-ce qu'on est ready pour l'épopée de l'infini? Êtes-vous ready pour du farming infini? Je manquais d'inspiration sur le dernier. Bon. Re tout le monde, on est reparti. Finalement, j'ai réfléchi. Vu que j'ai pas assez pour choper les trois armures légendaires, je peux en prendre que deux. On va continuer à farmer normalement, puis on reviendra et là on prendra les autres. Je pense qu'il ne faut pas beaucoup de toute façon. Peut-être 1000 ou 1500 de brume. Par contre, il me faudra l'alliage de. Comment s'appelle cette zone? De Niflheim. Voilà. On y va. Et je pense qu'il faut surtout réussir à ouvrir les autres coffres pour qu'on puisse rester ici plus longtemps. Parce qu'à mon avis, évidemment, plus on va s'avancer. Bon, ça va pas être hyper dur là de ce que je vois. Pas du bol. Ok. Bon, là on a eu du bol. Des ennemis plutôt simples. Mais la vache, quand il y a les loups-garous niveau 8, eux ils ne plaisantent pas. Hein. Eux ils ne plaisantent pas du schtroumpf. Alors, là-bas. J'hésite à changer mon talisman pour remettre celui qui me permet de faire plus d'attaques runiques, de reboot tout le bordel. On va aller voir par là, vite fait. Même si je me dis que j'aurais peut-être aller voir de l'autre côté aussi. Que dalle ici, il y a que dalle ici. On va jamais revoir le coffre runique hein, qu'on a eu la première fois quand même qu'on a fait le bordel. C'était que pour ça ici. Allez, qu'est-ce qu'il fait? Oh putain, la perte de temps. Dépêche-toi, 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 dépêche-toi. Oh merde. Allez. Oh putain, il va falloir faire gaffe là. Oh, il y a deux sorcières quoi. Oh putain la vache. Eh ouais, mais comment tu veux. On va se finir cela déjà. Ok, allez, deux en moins. Si je fais gaffe, on est bon. Hein. Putain, mais... Regardez-moi ça, comment ils enchaînent le nuage. Regarde, le spam, mais le spam, putain. Elle est morte. Il faut aller dans un endroit où il n'y a pas de brume.
Quoi? Mais d'où ça sort? Mais elle est pas morte, elle? Ok, j'ai pas le choix. Oh, elle était pas morte, mais c'est une blague. Elle était pas morte. Bien sûr. Mais par quoi je suis mort? Par quoi je suis mort, les gars? Attends, ne me dites pas qu'elle est pas morte, l'autre. Mais quoi? Mais c'est impossible. Mais c'est une blague, elle était pas morte? C'est n'importe quoi. Je vais mourir. Voilà, elle veut pas, elle veut pas, il se passe rien. Impossible de la stun, salut, ça va? Impossible de la stun. Ça y est, elle est morte. Il y a plus de temps. Il y a plus de temps. J'aurais pas assez de temps pour revenir. J'aurais pas assez de temps pour revenir. Ouais, je suis foutu. C'est pas possible, putain! Mais comment elle a pu ne pas être morte? Allez! Ah, c'est bon, je suis là. Oh putain, mais c'est méga chaud! Hein. Mais c'est méga chaud! Non, mais j'aurais pas dû être aussi gourmand en fait. J'aurais dû aller le valider au milieu. Bah oui. J'aurais dû remonter. Mais j'hallucine quand même. Par deux fois, je pensais vraiment qu'elle était morte. C'est incompréhensible. Hein. J'ai fait la rage. Il ne restait plus rien. Elle a disparu. Et en fait, elle n'était pas morte. Putain. Oh là là, c'est vraiment dur. Hein. C'est vraiment dur. Hein. Qu'est-ce que c'est ces ennemis là? Oh non. Oh pitié. Mais non, oh là là, allez, ah merde, là, j'ai dit. Il est mort l'œil, allez, ils sont plus que deux. Mais non, il est où ce con? J'ai confondu avec le cadavre. Bon ça, ils sont pas trop balèzes. Évidemment. Ah là là là, j'aurais tellement dû revenir, j'ai vraiment fait du con. Ça descend vite. Oh, ça descend vraiment vite, putain. Il y a autre chose là, en plus j'avais plein de trucs. J'avais au moins 800. Et là, évidemment, c'est le seul coffre disponible, bien sûr. Ça ne m'étonne pas. On va y voir là-dedans. Au moment où j'y vais. Oh, au moment où j'avance, pile poil, je me suis dit, j'attends ou pas? Allez, j'y vais. Ah non. Oh mon dieu! Ah!
Il est où? Allez, attaque! Combien il a de PV lui? Mais combien il a de PV? Allez, viens! Qu'est-ce qu'il fait? Oh, on m'en veut! On m'en veut! Mais regarde là! Pour une fois que je veux qu'il vienne, il vient pas, putain! D'accord, en fait, quand je fais cette attaque, il vaut vraiment mieux que j'y aille carrément. Il vaut mieux que j'y aille au point. Que je me rends compte que je peux grave lui faire monter sa jauge de stun. Ouais, c'est ça qu'il faut faire. C'est ça qu'il faut faire en fait. J'ai été con depuis le début de ne pas l'attaquer. J'ai eu que 200. J'imagine que c'est le seul coffre qu'il y a ici. Évidemment. Et voilà. Oh, il y en a là-bas. Ah putain. Il y a vraiment de quoi être vert. Hein. Dépêche-toi, 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 dépêche-toi. Et ici, évidemment, il y a rien. Oh, tu peux pas aller loin. Hein. Bon, je vais aller là, mais bon. C'est encore le décès. Oh putain. Bien. Ils sont quand même deux. Allez, c'est bon, il est mort. Stop, arrête tout. Arrête-toi, mais arrête-toi. Allez, plus qu'un. Il est mort, vite, le coffre, puis je me casse. Putain, je peux encore crever, c'est pas possible. Voilà, ça restaure un petit peu. Oh, il y avait que dalle. Il y avait que dalle. Alors, par où je suis venu? Est-ce que c'est par là? C'est par là. C'est abusé. On repasse par là-bas. Allez, maniez-vous, là. Et là, je remonte directement ici. Est-ce que ça le valide du coup quand on monte ici? D'accord, ça valide. Hein. Ça le valide. Eh ben dis donc, 566. Mais c'est méga chaud! Vraiment! C'est méga hard! Oh putain. C'est très 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 dur. Non, je reste ici, hein. Et merde, il va m'attaquer. Non, c'est bon. Bon, lui, il est mort, je pense. Ça, en fait, il faut que je fonce. Dès que je fais cette attaque runique, il faut vraiment que je fonce avec les poings. Ça marche beaucoup mieux. Foiré. Putain. Oh, il est mort. Ah, ils peuvent mourir avec ça. C'est pas vrai. Ils peuvent mourir grâce au piège. Mais ça, c'est bien. Ça, c'est bien.
Putain, mais 142 quoi. Sérieusement. J'ai l'impression que plus on avance et puis moins on en a. Sérieux. Incroyable. Bon, il n'y avait que ça. On va retenter par là-bas. Allez, allez, allez! Ah, c'est piège à la con! Il n'y a jamais rien ici? C'est bizarre. Ah, d'accord, ok. Super. En fait, on peut se faire interrupt. Hein. C'est ça qui est incroyable quand même. Et en moins. Putain, les loups-garous. Arrête-toi, arrête-toi, arrête-toi. Tu peux pas. Oh, je l'ai raté, t'es sérieux? Vraiment? Il est mort. C'est vraiment dur. Non, non, c'est un challenge. Cette zone est un challenge. Bon, je vais repartir. Mais j'ai presque rien. Putain, c'est incroyable. J'avais plus lors de mes premières tentatives. Comment c'est possible? 700 quoi. Bon, je peux aussi avoir ça. Ah, je peux pas continuer là. À part c'est juste un coffre dans un renfoncement. Ouais, genre là, bon. On va prendre celui-là parce que je peux le prendre, mais. Ah bon, il y en avait deux, c'est cool. Alors là je me tâte, je pourrais y aller, mais je sens que non. Je vais clamser quoi. Je me tâte en fait à... Est-ce que je prends l'armure ou est-ce qu'on attend? Pour ouvrir les coffres, parce que je pense que dans les coffres, il y a des trucs, il y a des... Des enchantements qu'on avait vu. Que le timer aille moins vite. La brume. Ça c'est évident. Alors, par contre peut-être que là il y aurait un truc. Non. On va aller voir là-bas, j'ai le temps. Frère, la malédiction. Ouais, en fait non. Faut un petit peu de risque là. C'est bon, ça passe. Par contre, quand on remonte par là, est-ce que ça nous redonne notre vie? J'espère que oui. Ah oui, ça nous redonne la vie, mais c'est tout. Par contre, je n'utilise pas mon invocation. Qu'est-ce que j'ai comme invocation, là, déjà? C'est ça, c'est l'écureuil. Bon. Eh bien, oh non, mais pas utilisé pour rien. C'est une blague, il a bugué. Allez, l'écureuil. Ah non, c'est bon, il a repopé là. Putain, mais fais-le ton écureuil quand on est là. Qu'est-ce que tu me fais? Allez, viens là. Qu'est-ce qu'il fait? Viens! Oh putain! Viens, 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 viens! Il vient pas, ce con. Ça y est. Écureuil! Tu n'as vraiment aucun respect pour moi? Crâne de pierre. Même si bon. Peut-être qu'il vaudrait mieux quand même que je change d'invoque. Hein.
D'accord, j'avais plus du tout. Obligé de faire ça pour pas crever, quoi. Oh là 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 là. Quoi? Oh la blague. Genre il est pas mort quoi. Oh 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 oh, regardez ce qu'il m'a mis. Ce qu'il m'a mis. Mon Dieu. Mon Dieu. Ah nickel, j'ai eu un alliage, en fait c'est ça, c'est aléatoire, hein. C'est aléatoire. Là j'ai peut-être assez. Il est où le gamin? Ok, le gamin on sait pas où il est passé, parfait, très très bien. Merde! Ah, nous voilà bien. Oh la blague. La blague. Alors le gamin, je sais pas où il était. Je pouvais pas utiliser ses flèches ni rien. Et là, j'ai pas compris. Splendide. Mais c'est vraiment génial. Ah, et du coup, je n'ai pas eu mon alliage, bien sûr. Et oui, il a pas été validé parce que je suis mort. J'aurais dû revenir ici. Oh putain. Oh, c'est horrible. Allez, les pires saloperies du monde maintenant. Bien pété dessus, j'ai eu de la chance. Ils ont tellement de PV, putain. T'es touché ou pas là? Pardon, je suis pas prêt. Mais putain, j'appuie là. Ah d'accord, parce que je n'ai plus ma hache. Oh là là là. Quand tu oublies de rappeler l'étage, c'est horrible. C'est horrible. Oh. Attends, mais je vais y passer des heures ici, franchement. Je vais y passer des heures. Je vais y passer des heures. Je vais y passer des heures ici. Et le coffre runique qui ne revient plus jamais. Ça, c'est génial quand même. Ah, ça, c'est quand même génial. Il y a le gamin, il est pas là. Le gamin, tu sais pas. Il est parti. Il est où le gamin, sans déconner? Combien on vit là? Ah, mais c'est bon, il est revenu. Je sais pas, c'est curieux. Oh là là. Ils vont péter dessus là. Bon, ça peut être trop compliqué. Heureusement pour moi, ça pète, mais ça me fait pas de dégâts. Allez, c'était pas trop dur, on a du bol. Un alliage, s'il vous plaît, un alliage. Pas trop en demander. Pas d'alliage bien sûr. Alors qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on revient? Je pense que je peux encore tenter d'aller là-bas. Merde. Vite. Allez. Je
Le problème, c'est que c'est là qu'on risque d'être bloqué, quoi. Et de pas savoir revenir, surtout. Et je vais aller en face. Non. Ah, je fais le con. Je fais le con. Bon, ce sera à gauche en revenant. Putain, mais il m'a pris après. Allez, putain, mais que je puisse le prendre. Regardez-moi ça. Ça y est, enfin. Putain, c'est abusé. Si je meurs là, je pète un câble, je vous dis. Tout le monde a l'air mort. Il est pas mort. Hein. Côté droit, frère, il faut partir. Non. C'est bon, j'ai eu de la chance. On a eu de la chance. Faut partir vite. À gauche après. Mais c'est abusé, comment c'est hard. Mène-toi. Y'a autre chose ici? Des petits coffres, mais j'espère qu'ils vont me remonter mon truc là. Ok, ça remonte la brume. Le coffre là. Je me casse. Vite. Je crois qu'on a tout eu. Allez. Allez, allez, dépêche-toi, dépêche-toi. Par contre, là, fallait aller où? Il faut juste revenir là, on est d'accord. Allez. Ça, c'est insupportable, ces pièges, finalement. J'étais allé, là? À droite et à gauche? Oui, sûrement, oui. Putain, c'était aussi loin que ça? Sûrement. Allez. Allez! Putain, est-ce que je dois avancer pour que ça s'active ou quoi, à chaque fois? Il faut aller dans un endroit où il n'y a pas de brume. Bon, 1765, c'est pas mal. Je crois que c'est notre record. Mais putain, à chaque fois, on manque vraiment de mourir quand même. C'est fou. Ah non, faut attendre le gamin pour que je puisse faire l'invocation. Merci. T'es à peine blessé. Allez, tu finiras par y arriver. Ah la vache! Je crois pas avoir eu d'alliage donc. Après, je peux aller choper le coffre. C'est peut-être mieux en fait de choper le coffre, je me dis. Ah, j'hésite en fait. J'hésite parce que là, ça disparaît. Alors, en même temps, je sais pas ce qu'il y a dans le coffre. C'est ça. J'ai combien là? J'ai 6000. Qu'est-ce que je fais? Allez, je l'ouvre. Il faut vraiment qu'il y ait un enchantement qui permet à la brume d'aller moins vite. Comme ce qu'on avait eu. Merde, c'est pas du tout ça. Il n'y avait que ça. Ah, attends, on a eu autre chose. Étoffe de rhume, fléau. Attends. On a eu plein de conneries. Ah, attendez, oui, mais non, mais ça c'est à chaque parade réussie, quoi. Genre, je fais des parades. Il va bien, lui. Chaque parade réussie. En même temps, je l'avais déjà mis, ça. Je voudrais que je fasse des parades. Est-ce que c'est vraiment ça en fait? Je dois faire des parades à chaque fois. C'est vraiment abusé tout ça. Ah,
Putain d'immonde saloperie là. Mon garçon, mon fils a besoin de toi. Eh ouais, t'as besoin d'aide, je suis dans la merde. Tu es où? Mais il est où? Il s'est libéré. Si jamais je meurs avec le piège. Putain, je me suis touché. Immonde saloperie. C'est chaud. Ah nickel, il y a un alliage. Bon là je vais pas prendre de risque je pense. On va repartir direct. Bon, j'ai quand même allé voir un petit tour à droite à gauche parce que bon. Voilà, je pense qu'il y a. Voilà, ça. Ce serait con de pas le prendre. Là du coup j'ai assez d'alliage pour la full armure, mais vu que j'ai utilisé le coffre, et malheureusement je pensais que sur le coffre il y aurait quelque chose qui pourrait qui nous aiderait à tenir plus longtemps. Mais ça n'a pas été le cas contre la brume. Ça n'a pas du tout été le cas malheureusement. On se dépêche s'il vous plaît. Allez. On va tenter ici. Ok, ça c'est pas trop balèze. Lui en premier là. Bon, et attends. On va faire celui-là d'abord. Allez. Ton fils est blessé. Ah, il s'en remettra. Allez, finis-le cet enfoiré là. Pas mal de trucs là, j'ai pas vu, peut-être un alliage aussi, j'ai pas vu. Bon. On va revenir. Par contre, c'était pas ouf. Putain, il y a deux passages là. Attendez. Putain, je viens de là ou de là-bas? Oh, je crois que je viens de là. Je suis pas sûr. Si, si, je viens de là. On l'avait chopé tout ça, on l'avait chopé. Bon, je me rends compte que ça va être totalement pas intéressant par contre que je vous propose ça. Je me tâte. Oh, mais non, ils avaient un coffre runique, c'est pas vrai. Il y a des cloches? Mais non. Attends. Oh non, attends, t'es sérieux? Il y a trois sauts quelque part? Frère, la malédiction. Ouais, oui, non, mais. T'es sérieux? Est-ce que c'est dans toute la zone? Frère, il faut partir! Ah, on se casse. Oh la vache. Je vois pas du tout où c'est, ça doit être ailleurs. Oh là là, faut repartir et faire ça. Oh mon dieu. Ah, c'est relou là.
Vous vous rendez compte de ce qu'il faut quand même? Franchement. En plus, ça, c'est notre objectif. Hein. On doit faire ça. Il faut ouvrir les trois brèches. Hein. Faut 10 000. Sérieusement. 20 000. Ah mais non, ils ont été fous d'orage, merde. Va crever. C'est n'importe nawak. Donc on est à 35 000, 45 000, tu rajoutes les coffres. T'es à genre 60 000, voire 65 000. Tu rajoutes l'armure, t'es à 70 000. Là, il nous faut encore, genre, si on voulait tout faire, ce qu'on est obligé de faire, enfin, on n'est pas obligé, mais c'est une quête annexe, mais bon. 70 000. Soit, il faut farmer 70 000 échos de brume. Alors, peut-être qu'avec, si je prends la nouvelle armure, on sera plus balèze. Et du coup, je pourrais peut-être tuer les mobs plus vite. Mais bon. Allez, explose! Putain, je le touche pas! Énorme! Explose! Merci! Allez, c'est fini. Oh, il y a encore le coffre. Putain, il faut trouver les... Mais c'est... Voyons, j'ai tenté de faire ça. J'ai essayé de courir un peu partout, j'ai eu quoi? Ah non, j'ai eu un alliage, ah merde. C'est chaud là. Le coffre runique, les sauts ils peuvent être partout si je comprends bien. Je les vois pas là. Après je vais toujours par là mais bon c'est pareil quoi. Ouais, je sais pas si je vais continuer ça en vidéo par contre parce que là il n'y a pas plus intéressant que ça. Ça risque de prendre genre je sais pas peut-être 5 vidéos de plus là. Juste à farmer ça. Hein. Donc là, je m'interroge quand même un petit peu sur l'intérêt du bordel. Je m'interroge. Ouais, je pensais que c'était sympa au début, mais... Après, ce que je me dis, c'est que peut-être que si j'avance plus profondément dans la map, il y aura de meilleurs loot. C'est ça ce que je me dis. La chance d'esquiver ça. Allez. Cimier pur du royaume. Ah mais attendez, peut-être que ça par contre. Ah, attends. Il est où? C'est en haut?
Oh! Putain, mais d'accord, mais oh là là, mais même les trash mobs, comme ça, ils peuvent te lâcher ça, quoi. Un truc, un enchantement niveau 7, comme ça, avec défense 11. Juste un trash mob à la con. Putain, faut vraiment regarder, hein. Faut vraiment regarder, hein. Vous avez vu, là, j'ai eu 600. Là, j'ai eu 600. Bon, par contre, malheureusement, il n'y a que ça. Je vais aller voir là s'il n'y a pas moyen d'aller au milieu. Oh, il y a moyen d'aller au milieu, j'ai l'impression. Ok. Après, on se casse. Hein. Prends pas de risque, on repart. Là, je vais avoir 2000. Et là, ça a donné 235. Je me demande si les coffres donnent pas plus au fur et à mesure, en fait, qu'on les chope. Vous voyez ? Sur une seule run. 375. On se casse, hein. On se casse. Prends pas de risque. On s'améliore un petit peu, mais bon. Par contre, les runes, faudra m'expliquer. Il va vraiment falloir m'expliquer. Donc, on vient au début. J'ai le temps d'aller voir là-bas. J'ai l'impression qu'il y a un truc à gauche. Ouais. Ok. Bon, mais là c'est pas mal, on aura, sera arrivé à 2500. Est-ce que je vais là-bas? Non. Non, je pense que je préfère pas, ne pas prendre de risque là. Mais elles sont où ces runes? C'est incroyable là, cette histoire. Des runes, des cloches, des sceaux. Je vois rien de tout ça. Bon, 2600, c'est un nouveau record pour l'académie. J'ai peut-être assez d'ailleurs pour faire l'armure, tiens. Ouais. Attendez, je vais regarder combien j'en ai. C'est marqué quand on va regarder là. Ou un vortex, c'est pareil. Allez. 4800. C'était 1500. Ouais, je dois avoir assez. Et en plus, il faut encre de brouillard. Hein. Et je ne sais pas où ça se trouve aussi. Mais j'ai assez pour les armures. Écoutez, je pense que je vais faire ça. Comme ça, je serai un petit peu plus puissant. Je résisterai un petit peu mieux. Et les trois armures font de la régène aussi de santé. Je pense que tout ça, ça va vraiment nous aider. Évidemment. D'accord, c'est pas ce que je voulais faire, mais c'est pas grave. Ah oui, mais... Putain, mais what? Oh putain, je fais n'importe quoi. J'ai fait tellement n'importe quoi. J'ai combien de pognon? 227 000. On va aller choper l'armure. Je pense que c'est mieux. Je pense que c'est mieux. Et ouais, j'ai l'impression qu'en fait, plus on va choper de coffres sur une seule run, et plus on aura des coups de brume. Hein. Parce que ça augmente. Hein. Au début, ça commence petit. Et le coffre est toujours là. C'est incroyable ça. Incroyable cette histoire de saut. Bon, du coup, je vais quand même aller voir déjà là. Ça sera toujours ça de fait. C'est le même. Oh oui, parfait. Nickel. On est retombé sur ça. Alors attends. Elle est où la dernière? Elle doit être là. Ok. Oh, ça va être chaud sombre.
devrait être bon. Ok. Alors combien ça va donner ça? Ça donne 700. Ah, ça part. Artefact de fléau parfait. Putain, les noms faut qu'ils arrêtent. Hein. Alors avec du bol, ce sera un truc pour la brume. Ah, ça change. C'est pas à chaque parade réussie, c'est à chaque coup réussi. Alors ça par contre, c'est, du coup, c'est intéressant. Eh ouais, je vais me le mettre. Eh oui. Après, est-ce qu'une attaque runique... Non mais ça c'est énorme. Attendez, chance élevée à chaque coup réussi. Voilà, ça, c'est ça qu'il me fallait. Très très bien, ok. On rentre au bercail. Est-ce que c'est par là? Ouais. Juste là, peut-être sur le côté, il y a un truc. Ouais, j'y vais. Et ensuite on rentre. Vite. Je pourrais continuer, mais je vais pas prendre le risque. Parce que là, j'ai eu un enchantement qui est vraiment, vraiment bon. Je vais pas prendre le risque de le perdre. Parce que ça peut vraiment nous aider justement pour la brume. Parce que c'est ça qui nous pose quand même le plus gros problème. Donc, on rentre. Quoique, j'étais voir là-bas ou je sais plus là. Non, si, j'avais été. Ok. Je pense qu'on est bon pour pouvoir acheter l'armure. Après, ça m'étonnerait qu'on puisse l'améliorer. Je sais pas ce que ça va demander pour l'amélioration, mais bon. Alors voyons. À ce qu'on dit, les brèches du royaume renferment un terrible secret qui Valdi voulait cacher. Ouais, à ce qu'on dit, ouais. Allez savoir, les nains sont étranges. Et oui, je sais que je suis un nain. Non disponible. J'ai l'impression qu'ici on peut pas utiliser la pierre de Rez ou... Parce que là, j'étais mort, je pouvais pas l'utiliser, c'est un peu bizarre, non? Ou alors c'est parce que je suis mort par un piège, c'est peut-être ça plutôt. Bon, alors, c'était celle-là. Hein. Moi ça me semble la meilleure. Ça me semble la meilleure, celle-là. Parce que c'est force rune, là c'est force défense vitalité. Voilà, bon. Après, vitalité, bon, augmente la santé d'un petit peu, certes, mais c'est réduit la réaction causée par les attaques ennemies. Donc, c'est pas pourri, en fait. Hein. Parce que ça reste intéressant, mais rune, c'est augmente les dégâts infligés par les attaques runiques et les dégâts élémentaires. Donc, je préfère vraiment privilégier... la stats rune que la stats vitalité en fait. Et le dernier, ben, y a les deux. Un petit peu de rune, un petit peu de vitalité. Mais bon. Non, écoutez, je prends celle-là. Allez, je prends celle-là, c'est décidé. Alors, allons-y. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour l'améliorer? Ah, je ne vais pas pouvoir malheureusement. Ah, mais attendez! Ah, oh, mais ça augmente la résistance. À la brume, ils le disent pas quand on regarde le truc. Oh putain, mais c'est ça que j'aurais dû acheter dès le début. Voilà, mais ils l'ont pas dit. Putain, des échos de brume confèrent à cette armure une puissance considérable et augmente votre résistance à la brume maudite de Niflheim. Alors vous allez me dire, ils l'avaient dit, le Sindri. Ils avaient dit, regardez, j'ai une armure. Oui, mais quand tu regardes la description, ils le disent pas ça. Ah ben d'accord, ah ben les gars, très bien là. Putain. Ah non mais c'est bon, là on est bon. Là on est bon. C'est bon, j'ai compris. Il était là le problème. Ah mais ils le disent pas. Regardez. Ah mais si, ils le disent en haut. Oh bien le con. Le con. Ils le disent en haut. Je regardais que le bas. Je regarde à chaque fois essence de régénération. J'avais pas vu en hauteur là. Ah putain, ils le disent en haut, mais qu'il est con. Mais qu'il est con. Bon, c'est pas grave. Ce n'est pas grave. Bah écoutez, du coup, vous voyez, parce que je commençais à me tâter, à me dire, peut-être que je vais farmer seul et pas en vidéo parce que je voyais pas l'intérêt de continuer comme ça. Mais là, par contre, si la brume descend bien moins vite et tout, là par contre, il y a un autre intérêt. Donc finalement, on va continuer en vidéo.
Je vais tout faire en vidéo. Par contre, du coup, je ne peux pas l'améliorer. Ah non, attendez. Si je peux, c'est top, je vous le dis. Non, je ne peux pas. Qu'est-ce qu'il faut? Ah putain, il faut... Bon, encore des échos, ça c'est normal. Étoffe de brume. Sans le chop ici aléatoirement et braise ardente. C'est-à-dire que pour ça, la braise, il va falloir revenir dans le royaume de feu. Et du coup, retenter les autres défis. Voire même farmer peut-être les premiers défis pour rechoper des braises ardentes. C'est peut-être ça. C'est peut-être ça. Parce que vu la quantité que ça me demande, à mon avis, il faut refaire en fait les premiers défis. Enfin, si on n'est pas assez bon pour faire les autres, vous avez compris. Ah putain, d'accord. Ok. Bon, très bien. On va le faire pour tout. Donc, attends, allez, c'est pas ça. Et allez, je suis planté. Ah, j'étais con. J'avais pas vu que... D'accord. Mais là, je comprends mieux maintenant. Maintenant, je comprends mieux. Alors, ici. Donc, brume, est-ce que c'est ça? C'est ça, on est bien d'accord, hein. On est bien d'accord. Ok. En fait, je me rends compte que cette armure qui est quand même hyper bien. En plus, on a le choix. Là, pour le coup, il te la donne un petit peu à ce stade du jeu. Parce que c'est quand même pas très compliqué à avoir. Faut juste des échos de brume. Bon, quelqu'un qui farme un tout petit peu, en moins d'une heure de jeu, il chope cette armure, donc... Voilà, là c'est vraiment, c'est une armure épique, mais il te la donne presque. C'est pas très très compliqué à avoir, franchement. Mais bon, j'ai rien à dire. Donc on est d'accord, je reprends celle-là. Ok. Je l'équipe. Alors, par contre, on est repassé niveau 6. Comment ça se fait ça? Ah oui, ça cause des enchantements. Il va falloir se remettre les enchantements, les gars. C'est pas fini. Par contre, je vais grave perdre en récupération. Ce qui fait dire que je devrais peut-être remettre mon talisman pour reset tous les cooldowns. Ça, c'est possible. Bien. Et au moins, au niveau visuel, ça ressemble un petit peu plus au Kratos que l'on connaît. C'est pas une vraie armure. C'est pas une cuirasse en acier. Ok. Oh, c'est pas vrai, celle-là, je peux l'améliorer. Ah, ah, je peux quand même en améliorer une, d'accord. D'accord. Ok, bon, on va le faire. Hein. Ça coûte encore des échos de brume, mais bon, on n'en est plus là. Non, ou alors, je garde pour ouvrir les coffres. Parce que je me rends compte que la différence, elle n'est pas monumentale, franchement. Hein. Tu gagnes seulement 2 en force, 2 en rune et 2 en défense et c'est tout. Il n'y a pas de nouvel emplacement pour d'enchantement. Et on augmente même pas au niveau 8, on augmente juste au 7+. Mouais. On va pas les améliorer en fait pour l'instant. Non, je suis à combien en défense là? Oui, mais il faut que je mette mes enchantements maintenant, évidemment. Ok. Il y avait quelque chose d'autre? Ok. Bon, je devrais arrêter là. Mais je vais être sympa. Je suis trop sympa. On va faire les enchantements dans cette vidéo. Je ne devrais pas, mais bon. Ah ouais, elle est classe en fait. Ah, les épaulettes sont sympas. Les épaulettes sont sympas. Alors, c'est parti pour les enchantements, les gars. Vous êtes prêts? Ça va être funky. Alors, il faut que je quoi déjà? Ah oui, il faut que je regarde ce que j'avais ici et je le remette. C'est parti! Âme d'Andvari, signe gravé de courage, cœur de Vanaheim. Ok, donc âme d'Andvari, cœur de Vanaheim, signe gravé de courage. Âme d'Andvari. Signe gravé de courage, cœur de Vanaheim.
Alors. Signe gravé de courage. Âme d'Anvari. Je sais plus ce que c'était le dernier. C'était Cœur de Vanaheim. Ok. Bien. Next. C'est compliqué, hein. C'est compliqué. Alors, non, c'est pas ça. C'est ça. Écaille du puissant, œil de fureur, œil du royaume extérieur. Écaille du puissant, œil de fureur, œil du royaume extérieur. Ok. Merde. Alors, écaille du puissant, œil de fureur, œil du royaume extérieur. Alors, écaille du puissant, œil du royaume extérieur, et l'autre c'était quoi? Œil parfait du royaume? Je crois pas, non. Œil de fureur, c'est ça. Pourquoi j'ai pris cette merde? Ça, on verra après pour le changement. Là, il faut juste que je me gourre pas dans ce que je fais. C'est très important. Next. Putain, la vache, rune. Regardez les runes. On va être presque full. La stats rune, elle va être presque au maximum. Mais au moins, je ferai des dégâts. C'est le plus important. Faire des dégâts avec mes attaques runiques. C'est le plus important. Donc, c'est parfait. C'est mon build. Donc, c'est parfait. Alors, toi, œil parfait du royaume, oh, il y a encore deux œils, œil parfait du royaume, œil de Nilfheim, et artefact de fléau parfait. Œil parfait du royaume, artefact du fléau parfait. Alors. Il y en a deux des œils parfaits. Hein. C'est lequel que j'avais pris. Celui-là. Et il y avait œil de Nifle. Niflheim. Et artefact du fléau parfait. Ou quelque chose comme ça. Ah d'accord, il y en a trois. Loul. Ah d'accord, c'est chance élevée de restaurer une partie de la protection entre... À chaque parade réussie, non. À chaque parade réussie, non. Voilà, à chaque coup réussi. C'est ça, en fait, je devais avoir l'un de ces deux-là, mais je vais prendre celui-là. Ouais. À chaque coup réussi, c'est pété. Voilà. 234 en runes. Ok, on est pas mal. Bon, évidemment, du coup j'ai baissé en vitalité, chance et récupération. Mais force, rune, défense, j'ai augmenté un petit peu. Défense, je suis pas sûr. Hein. Il faudrait que je regarde combien j'avais en défense avant. Et il me semble qu'on était à 200 quand même. Donc, on a peut-être un poil baissé en défense, en fait. C'est une possibilité. Bon, est-ce qu'on est bon? Je crois bien qu'on est bon. Ok. On est bon. Bien. Parlons à fond. J'hésite en fait à les améliorer maintenant ou à attendre de choper ce qu'il y a dans les coffres en fait, c'est ça. J'hésite. Je suis vraiment en train d'hésiter. Mais non, putain, j'en peux plus de ce menu. Cette façon de faire, que c'est mal brancouillé. Ah, c'est bon, on est repassé niveau 7. Ah,
On est presque au niveau 8. Hein. Ouais. Ben, si j'arrive à améliorer par deux fois cette armure-là, on passera niveau 8. C'est, voilà. C'est ça. Je pense que c'est ça. Bien. Bon, bon, bon. Écoute, on va y aller comme ça. Ça devrait aller un petit peu mieux. Et surtout, là, je devrais faire des dégâts monstrueux avec les attaques runiques. Hein. J'ai pas le... Non, je préfère d'abord ouvrir les coffres. L'amélioration n'est pas assez significative. Ok. Bien. Allez. J'espère que ça va aller un petit peu mieux. Et surtout, j'espère que la brume va vraiment s'évaporer plus lentement. Je vais pas faire de test maintenant. On fera un test du coup au début de la prochaine vidéo. On verra bien. J'espère vraiment que ça va aller plus lentement, genre deux fois moins vite, parce que là, vraiment, c'est extrêmement compliqué. La suite au prochain épisode.